on est parti sur première game top 16, donc le bracket qui vient d'attaquer. On a Jawa contre Caillou. Caillou qui joue Rob, qui chouk. Ouh, je pense que Jawa va commencer à serrer les fesses parce que alors là on a un chouk, et chouk c'est fort. Un chouk bien joué, c'est très fort. Désolé pour les pertes de signal, je comprends même pas ce qui se passe. Ah putain, j'espère qu'on va par ça en game. Ok, c'est parti. C'est parti, Jawa à gauche, enfin qui joue donc fait l'inferno, Caillou, chouk. Donc on optimise, là c'est bien ce qu'il a fait là. Là il faut essayer d'aller appâter ça à l'edge. Allez, bien joué ça. Il faut essayer d'aller... Donc là il a activé Smash qui permettra d'envoyer plus loin, plus fort. Là on est sur Ravage, il me semble que c'est pour les pourcentages. Et la vitesse, hein. La vitesse avec Chouk qui est surforte. Il faudrait jouer en fait entre vitesse, saut aussi. Et évidemment mettre le bouclier à la fin. Et là on voit que le spacing de Caillou est énorme. Jawa a beaucoup de mal. Voilà, il a activé saut. Vous allez voir que c'est très fort. Alors, ça active Smash, d'accord. Et le Lariat qui a été sorti, 63%. Oh oui! Il a été le chercher en bas, ce Jawa Ferno. Le Jawa Ferno. Il a été... Ça a payé, hein. Ça a payé. Alors, oh, dommage, mode confusion. Le tourbilol, comme on aime. Voilà, les combos qui passent. Une petite avance pour Jawa, là, alors qu'il se faisait quand même malmener sur la première stock. Allez. Oh, il a voulu tenter le contre, mais il n'a pas pu. Il faut essayer d'aller chercher la punition, mais non. Il était trop loin, et la stock a été prise de la part du Chouk. Du Chouk. Le double pied. Et ça se tourne autour. Oh là là, les contres. Le back air est ici trouvé. Ah, ça cherche hein, à l'edge control. Oh, et voilà, le contre qui a été trouvé. Il faut pas se prendre le lariat. La chop. Il est sur... Qu'est-ce qu'il a sorti? Non, il a plus rien. Hop, la chop ici aussi trouvé. Bien joué, ça permet de bien couvrir l'edge. En remontant, le tourbilol. Oh, il a été le chercher dehors. Et ça, c'est la marque des grands. Voilà, dash attack, le smash. Oh, est-ce que ça va réussir? Si, ça revient. Ça non. J'ai été surpris. Mais non, il n'est pas revenu. Et oui, il a les limites. Il a activé bouclier. C'est pas le moment d'activer bouclier. Là, il faudrait essayer d'activer speed pour pouvoir enchaîner les combos. Bouclier est parti. Allez. Lariato. Il a activé, il me semble, speed qui est sorti. Ouais, effectivement, il a les pieds tout bleus. Lash back throw. Et là... Oh! What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah alors... En fait, j'ai pas fait assez en avant et du coup, ça passe. Eh oui, eh oui. Le stress des examens. Tu peux mettre le casque, hein, si tu veux, pour le son et tout. C'est trop fort. Pas de soucis, 1-0 pour Jawa. Qui gagne un peu grâce à son expérience, mais on ne le dira pas. Et on a quelques bugs. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Des petits bugs, t'as vu? T'as pas vu que ça c'est le signal à l'instant? Ah oui, c'est une histoire de câble. Bah ouais, mais là c'est les micros. Là c'est les micros. Là ça revient. Bizarre, hein. Bref, on est parti sur cette deuxième game. Ça sort Chouk en short. On adore. Et ça part direct en contre. On est là sur... Alors attendez, hop, score gauche. Allez, Caillou qui doit faire la différence ici pour essayer de remporter cette game. Ah non, la chop spé qui ne prend pas. Hein. Et là encore, bien esquivé. Allez, il a activé speed. C'est le moment qu'il faut faire les combos. C'est là qu'il faut profiter hein, de Chouk. Ah, et le compte qui a été trouvé. Il faut pas se prendre de l'Ariat. Ah, le compte qui est désactivé maintenant. La chop qui a été trouvée. 115%.
Oh, et bien joué de la part de Felop Fernand qui va chercher dehors et qui prend la stock. Allez, oh, bien trouvé ça, c'est bien joué. C'est bien joué, la stock qui a été prise. Le chou qui relève le niveau. Et là, on est choqué. Mais pas comme ça, Zinedine. Hein. Il faut garder son calme en tournoi. Il faut savoir raison garder. Il active le saut. Ici, le ravage qui va faire monter les pourcentages à 34% ici. Le speed, c'est le moment d'enchaîner les combos. C'est le moment de profiter de la force de Schulk. Il y a bien monté pour son pourcentage. Ils veulent le bouclier qui a été activé, qui permet de réduire les dégâts que va prendre Schulk. Et on le voit ici. Là, cette fois, c'est fini. La back throw. Le mode saut activé. Petite avance là pour Jawa, mais rien n'est fait. Ah, bien esquivé là la chop spé. L'Ariat. Ça ne tuera pas encore, faut pas être trop près. Et il a bien anticipé là, il s'est pas fait avoir deux fois. Allez, il faut essayer de tuer ce tigre de malheur. Le saut qui est activé. Oh, bien joué ça, Jawa. Oh, et ça n'a pas Tekeo. Ça n'a pas Tekeo. Dommage. L'Ariat. Allez, faut enchaîner. C'est bien. Bien joué là. Il y a des bons moves du côté de Caillou. Il faudrait réussir à contrôler ses émotions. Et on est bon. La back throw ici, ravage. Allez, l'edge control, il faut mieux edge control. Et ça fait mal, 43%. Bien joué, ça a bien couvert. Bien joué, encore une fois. Allez, on se tourne autour. On cherche Jawa, le back air. Bien joué, ça, grosse avance là pour Jawa, 163%, une rage. Ouh, et en fait, non, il n'y a plus de rage. Bouclier d'activer, la chope. Et ça danse, la speed qui est activée, hein, qui peut tuer très très vite, fait l'inferno s'il arrive à bien faire. Dommage, allez. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais Jawa Ferno! Mais Jawa Ferno, mais qu'est-ce qui se passe? Non, là, 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 là. Et oui, il a mal activé. C'est quoi ce stick, là? C'est quoi ce truc? Aïe, 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 aïe. Et là, beaucoup de monde qui commence à arriver. Oh my god! Et oui. Omega lol. Hein. Omega lol. Et oui. Eh oui, ah bah ça fait le malin avec Jawa Ferno. Skip ses buffs. Putain. S'il perd le 7 sur ça. Je rigole. Je me pique un fou rire. Je rigole. Et je l'insulte en plus de ça. Je te joindrai très probablement. J'en profite rapidement, j'étais en train de discuter avant, oui, avec Arthas. Je lui fais, alors, comment tu te sens? Il me dit, j'ai la putain de pression. J'ai l'impression d'être la star des yachts aujourd'hui. Et on va pas le louper. On va pas le louper. Vous ne pouvez pas le louper aujourd'hui. Allez, on est reparti. Putain, toujours des petits soucis de câblage là. Allez. Tu peux pas perdre contre un Schulk en short, en maillot de bain. J'avoue que le Schulk en maillot, c'est dur la vie. Il va faire sa piscine. Allez, il faut punir tout ça. Je trouve que ça peut être très très fort, hein, si ça s'est bien joué. C'est pas évident à jouer, par contre, t'as beaucoup de monado à gérer. J'ai vu là des games là sur. Bon, aux États-Unis là sur le. Merde. Genesis. Un Schulk de ouf là. On voit pas terre. C'est la muerte. Ah, non, ça va pour l'instant. Mais tout à l'heure, oui, en activant speed avec. Avec Schulk. Oh, là, c'est bon très, ça. Très bien vu de la part c'est de bon ça. Et là, Jawa en difficulté. Ouais. Jawa au niveau des Schulk, je joue de temps en temps avec un Schulk français qui s'appelle Sernight. Il est pas mauvais du tout. Sernight, je sais pas si tu connais. Sernight. Ouais.
Et du coup, il a pu me montrer 2-3 trucs un peu avec Shulk parce que c'est un peu les fameux persos match un peu obscur, tu vois. C'est un perso que tu vas très souvent. Et ça a pas mal de trucs. Alors, il y a un truc très dur à exécuter. Mais qui est pas mal, c'est que par exemple quand tu te prends un coup, un confirme, t'as le temps de switcher sur le bouclier en fait. Donc si par exemple tu te fais Nerf par exemple, si tu t'y prends super bien, alors, parce que t'as comme t'as une Windows mais elle est petite, t'as une petite fenêtre, tu peux te mettre en bouclier en plein milieu d'un coup. Et du coup ça fait que tu peux survivre très 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 bien. Et là, sur le mode Ado Smash, il est méga fort. Et ça tue. Ouais. Je veux dire, par contre son mode Ado Smash est très très fort. Et là va falloir comeback là pour Jawa. La back. Ça fait l'inferno, hein, ça met des grosses phases. Hein. Ça peut mettre des très grosses phases. Il arrive à activer son contre. Nice ça. Le Lariato. Beaucoup de plaisir. Par contre là c'est chaud parce que. Oh dommage, il avait réussi à Paris. Ouais. Et là le bouclier qui est activé. Nice Jawa ça. Arrive à tirer profit là, il est bien remonté. Jawa qui remonte. Le saut. Bon alors c'est okay, un double trade. Je sais pas, je pense que c'était un misclick le side B. Ouais. Pour le coup du coup ça a trade et on se retrouve à. Il connaît ses combos. Il sait qu'avec s'il active le speed, attention, ça pousse, c'est dangereux. Fort, très très fort contre. Attention. Voilà, ça c'était bien vu. Ça, il a tenté le gimp. Quand tu fais le B-side et que tu veux et que tu fais exprès de ne pas convertir, c'est que tu veux tenter le gimp. Et c'est pas mal, c'est pas nécessairement mauvais. Là, ça devient dangereux. Par contre, Oh mais c'est la fin. Jawa Ferno qui chue. Jawa pas heureux. Qui chue à cause d'une bêtise de la game d'avant, voilà, on va le dire. Le EP de Fait l'Inferno, c'est génial, c'est tout pour moi. Fait l'Inferno, et voilà, donc GG à Chuk qui a tiré parti. Et voilà, et ça râle contre son perso. Et voilà. Il le tenait, mais pas assez. Aïe. Allez. Vivement le 22. Hein. Ah là là. Et là, en thème, je me casse. Ah là là, en thème. C'est nul en thème. Tetris 99, là tu dois rayonner. Battle Royale. Voilà.